Alors mon cher Arthur, on va envoyer ces balles dans ce mur. Et quand, si ça tombe sur un S, vous allez écrire le S. Si ça tombe sur le 9, le 9. Vous avez compris? Oui. Bien. Gary, est-ce que vous pouvez faire le gars à l'heure? Ben, je fais le mec qui arrive à l'heure. Alors vous allez vous mettre à côté de l'horloge si ça vous gêne pas. D'accord. Alors Claudia, c'est à vous. Arthur, vous êtes prêt? Ouais. Bien. Ouais. Nous sommes prêts. Vous lancez, mais c'est aléatoire. Vous n'êtes pas obligé de viser un coin. Ce D'accord. sont des chiffres et les lettres. Ok. Allons-y. C'est parti. C'est bon? Oui. Oh. Ah, la lettre A. Arthur, Bravo. Vous pouvez écrire le A. Merci. C'est parfait. Mon cher Manu, c'est à vous. Alors, vous allez vous approcher, les yeux bandés. Les yeux bandés. Enfin, allez, fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Okay. Je ferme les yeux. Ferme les yeux. Très bien. Ferme les yeux. Ouais. Z. Parfait. Eh, on a fait A et Z. Hey, oui. On a fait A et Z. Vous voulez que, c'est comment voulez-vous que je fasse, mon cher ami? Écoutez, comme vous voulez. De dos? Écoutez, de dos. Oui, de dos. Si vous le sentez, de dos. On se claque, comme ça. On se claque. Oh! Alors, c'est quoi? H. H. Claudia, on recommence. Laurent, on recommence. Je vais tenter. Et Manu, on recommence. Allez-y, on se dépêche. Ah, on se dépêche. S'il vous plaît. Wouh! Ah, attention! Attention, Arthur, entre le 8 et le I. Entre le 8 et le I. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'ai envie de dire le 8. Allez-y. Manu, c'est à vous. Ok. Ouais. Je vais le faire à la. À la pétanque. À la pétanque. À la marseillaise. Ben ouais, les gens sont encore peut-être en vacances. Allez! Manu, H ou G? G, c'est comme j'ai. D'accord. Allez, Florent, vous avez une petite balle. J'ai déjà. Allez-y, c'est parti. À la Roland-Garros. Oh! Mais quel branleur! Waouh! Et la dernière de information. Manu, je crois que c'est à vous ou c'est à Claudia? C'est à moi. C'est à Claudia. Alors, Claudia, c'est à vous. Ah! Entre le B et le N, Claudia. J'ai envie de le B. Le B. Je peux en faire une encore, moi aussi, j'ai le droit. Non. Ah non, j'ai plus le droit. Non, vous avez plus le droit. Mais d'accord. Nous avons ici une formule aléatoire. Maintenant, Jarry. Vous allez tourner les aiguilles. Alors vous pouvez commencer par la grande ou la petite, ce que vous voulez. Et vous arrêtez. Mais allez-y, hein, vous arrêtez quand vous voulez. Mais prenez votre temps parce qu'on a le temps finalement. Voilà. Ah, nous avons 10h30, c'est tardif. Nous avons 10h29 exactement. Est-ce que c'est bien 10h29? Oui. Jarry, on garde ça ou on voulait changer? Non, je garde, je reste. Chantal, s'il vous plaît, vous êtes avec nous? Je suis là. Ah, je l'ai réveillé, Chantal. Chantal, vous pouvez prendre le sachet. Tous les sac petits papiers ont été écrits. Est-ce que vous pouvez ouvrir le sachet? Alors, attendez. Sortir un petit papier. Allô? Voilà. Et vous allez nous lire le petit papier, s'il vous plaît. Le petit papier, Gare de Lyon. On va le montrer à la caméra. On peut montrer à la caméra Gare de Lyon. Alors, pour vous dire, les amis, que le hasard fait bien les choses, toutes ces informations, je les savais à l'avance. Oui. Ce code secret, cette heure... Et nous avons la station Gare de Lyon. Et bien avant d'arriver à cette émission, quelques semaines avant cette émission, j'ai tourné une vidéo. Non. Vous voulez la voir? Oui. Oui, ouais. oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Salut les amis, vous savez où je suis? Eh bien je suis à Paris et pas n'importe où, exactement à Gare de Lyon. Regardez. Non, c'est pas vrai. Wow. Gare de Lyon. Chantal. Wow. C'est ça? C'est ça. Incroyable. On continue. C'est pas dingue ça? Bon, il faut que je me dépêche parce que vous avez vu l'heure. Ça vous rappelle rien? 10h29! Oh, 10h29, Jarry! Bravo! Et on continue pour la dernière prédiction, mesdames et messieurs. C'est exactement l'heure que vous avez choisie sur le plateau de diversion. Allez, je file, à tout à l'heure. Ah, c'est le numéro du train. T'es pas sérieux? Non. C'est quoi? Non, c'est non. La plaque! La plaque! Non! Ah, Z! H, A, Z, 8, H, G, G, B. Donc Christine, fermez les deux mains et vous mettez une main derrière le dos. Celle que vous voulez. Ok, on va jouer avec celle-là. Ouais. Bougez pas. Je vais vous montrer des cartes. Ça, c'était la carte préférée de Carl Zener. Et lui, il a inventé ce jeu. Le cercle, la croix, le triangle, le carré et la vague et l'étoile. D'accord? Je peux desserrer le poing? Non, vous ne bougez pas pendant une heure. Pendant une heure. D'accord? Nous allons, vous avez vu qu'elles sont numérotées, ces cartes-là, d'accord? Donc Vincent, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous savez mélanger les cartes? Allez. Alors d'abord, pour agrémenter le numéro, j'ai rajouté moi des symboles que nous connaissons ici de notre époque, vous voyez. Eh bien, Vincent, vous allez mélanger. Vous savez mélanger comme ça? Allez. Allez-y. Vous jouez aux cartes? Un petit peu. Ça se voit pas du tout.
Ça vous plaît ? Encore ? Non, laisse-moi. D'accord, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il est viril ? Oui. Tout va bien, Christine ? Oui. Vous bougez pas, hein ? Non. Voilà. Calme-toi. Alors, encore une fois, d'accord. Alors, Vincent, vous allez prendre le jeu, c'est mélangé, on est d'accord ? Oui. Et regardez bien ce que je vais faire. Vous allez tenir le jeu comme ça, avec l'index. Vous ouvrez où vous voulez, une fois, où vous voulez, et vous ouvrez et vous regardez le symbole que vous avez choisi. Très bien. D'accord ? Une seule fois, où vous voulez. Comme ça ? Ouais, absolument. Je regardais pas. Et hop, ça y est, je l'ai vu. Vous avez ? Ouais. Bien. On est d'accord que c'est vraiment... Je me rappelle pas. Si, pardon. C'est le dîner de con. Finalement, j'aurais dû faire... T'avais prévenu, Antonio, t'as pas choisi les meilleurs. Hein. Et si j'ai une prédiction, ouais. C'est la carte préférée de Zener. Quelle était votre carte que vous avez choisie ? Vous avez mélangé ? Je peux le dire, hein. Ouais. C'était la croix. Eh ouais, mon pote. On regarde ? Ouais. J'adore ce regard juste avant de... Ah, j'adore. La croix. Ah oui, mais c'était pas le 15. Enfin, si, non. La croix. Maintenant, je vais dessiner une croix. Ok. Une croix sur la croix. Oui, sur le dos de la croix. Regardez bien. Ouais. Non, non. Mais il y a deux croix. Il est sort. Non, mais ça fait peur. Regardez. Je prends la croix. Dans votre main. Vous allez flipper. Vous voyez tout doucement. Regardez. Waouh. Wow. Montrez à la caméra. Incroyable! Papa! Mon père s'appelait Antonio, ça me fait peur! Ah. Christine, vous avez rien senti? Pas encore, non. Je vais vous laisser. Bon, on va y aller, nous. Vincent, est-ce que vous pouvez. Vous allez sortir. Mais elle est dessinée! Oui, je sais, c'est moi qui l'ai fait! Vincent. C'est flippant! Ouais. Vous avez mélangé vous-même. Comment il a dessiné dans ma main? Vous allez sortir 7 cartes, celles que vous. C'est vous qui avez. Il pleut des croix. J'adore parce qu'il y a un décalage entre l'action et ce qui arrive au cerveau de Christine. Vincent, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. On récupère tout ça. On est bon. Bien. Ouais, est-ce que vous pouvez fermer vous-même le jeu, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Vincent, vous avez choisi 7 cartes. Le jeu a été mélangé, nous sommes d'accord ? Oui. Eh bien, maintenant, nous allons numéroter les cartes. 8. Plus 6, ça fait 14. 14, 15. Oui. 17. 20. 25. 25 plus 27, ça fait... 52. 52. Figurez-vous que c'est le numéro préféré de Carl Zener. On regarde. Ça, c'est incroyable. Je ne comprends rien.